ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, piano in the bell, 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 jingle bell, 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 bell. Oui, c'est tout le monde, je t'offre une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci, enfin, ça y est, il y a un concours abonné sur ma chaîne. Ça faisait très longtemps que ce projet était mis, j'avais jamais pu le réaliser, et maintenant, bah, grâce à YouthSwitching, je vais pouvoir réaliser un concours abonné pour vous faire plaisir, en espérant que ça vous plaise, tous les leurs, tous les looks qui vous sont proposés. Donc là, il y en a pour une valeur d'environ plus de 100 € de matériel. Enfin, franchement, je suis super content de vous présenter tous les lots. Et puis bah maintenant on va passer aux règles pour participer à ce concours. Donc pour les règles, règle numéro 1, donc c'est d'être abonné à ma chaîne YouTube. Donc ça prend très peu de temps à s'inscrire si vous n'avez pas de compte. Après vous abonner, vous pouvez activer la notification donc, pour recevoir toutes mes vidéos dès que j'en ai une. Donc ça c'est la première règle, être abonné à ma chaîne YouTube. Deuxième règle, c'est juste d'aller liker ma page Facebook. Voilà, donc ceux qui n'ont pas Facebook c'est pas très grave. C'est parce que j'ai une page Facebook et je mets beaucoup d'informations dessus, etc. Plein de photos et voilà, plein d'autres trucs que je peux pas mettre sur Facebook, sur YouTube. Donc voilà, donc ma page Facebook pareil dans la description de la vidéo, TomPJ49. Ensuite, troisième règle, c'est encore par rapport à Facebook, donc c'est d'aller liker la page de YouthSwitching sur Facebook. Pareil, ils mettent beaucoup de photos, que ce soit même de pêche ou d'accessoires, des nouveautés, vraiment plein de trucs. Donc pareil, dans la description. Ensuite, quatrième et dernière règle, donc ça va être de partager cette vidéo. Donc vous partagez cette vidéo par n'importe quel réseau social que vous voulez, Facebook, Twitter, Insta, enfin voilà, vraiment tout ce que vous voulez. Voilà, une fois que vous avez fait ces quatre règles là, eh bien vous pouvez participer et vous mettez dans les commentaires je participe au concours de TomPJ49. Voilà, cette petite phrase, et puis en espérant que ça vous plaise. Et maintenant on va passer à la présentation des lots. Ce qui me paraît le plus important quand même aussi dans cette vidéo. Donc on va passer au premier lot. Donc le premier lot, donc ça va être un lot basique donc pour la perche. Donc j'ai pas tous les noms des leurres, donc je vais juste vous présenter pour l'instant les leurres en soi. Voilà, donc un crankbait. Un crank d'un coloris plutôt agressif, j'aime bien, c'est un beau petit coloris. Profondeur de nage, ça va être à peu près 2 mètres il me semble. Voilà, donc avec pas mal de billes. Voilà, donc un bon petit croc. Ensuite on va passer par un popper, donc voilà, pour la perche, le petit brochet, etc. Popper d'une taille polyvalente, donc il doit être autour des 7 cm. Voilà, en coloris doré, avec un petit peu de soleil, je pense que ça va être pas mal. Ensuite, toujours dans le même lot, donc un petit jerk. Voilà, donc en bleu-gris, avec des petites rayures, donc plutôt sympa. Je pense que sur les petits bars en mer, il va être vraiment pas trop mal. Voilà. Un petit leurre sympathique, un petit jerk. Donc pareil, 7 cm. Après. Ensuite, on va passer donc, sur un autre leurre. Donc c'est un espèce de petit crank mais en longueur. Voilà, donc c'est assez original comme forme. Donc, voilà, j'ai plutôt pas trop mal. Voilà, pour la perche, c'est un leurre qui doit avoisiner les 4-5 cm. Voilà. Donc ça, c'est pour le lot numéro 1. Ensuite, le lot numéro 2, donc pareil. On va retrouver ces deux leurres là, donc les mêmes, voilà, le croc et le popper. Ensuite, on va avoir un nouveau petit leurre. Voilà, donc un petit croc avec une forme, pareil, une autre forme, plutôt jolie. Je sais pas si on arrive bien à voir à travers le sac plastique. J'espère qu'on arrive bien à voir, voilà, j'ai pas trop envie d'abîmer aussi les pochettes, voilà, pour vous les redonner, pour vous les envoyer proprement. Voilà, donc un petit croc. Ensuite, le même leurre que le lot précédent. Voilà. Donc ça, c'est le lot numéro 2. Donc voilà. Donc là, numéro 1, numéro 2, c'est fait. Donc il y a 4 leurres par lot. Donc là, pareil, on retrouve ce crank-là. Un crank, voilà, j'aime beaucoup. Donc je vous l'ai mis dans chacun des lots. Voilà, j'ai commandé ce crank-là. Pareil, on a l'autre crank, pareil. Voilà. Ensuite, on a un autre popper. Un popper avec un design différent, voilà, avec pas mal de billes. Un design plutôt pas mal. Voilà, j'aime bien. Il doit faire un très joli pop, je pense. Voilà, donc à tester.
Et toujours dans le lot numéro 3, maintenant on va passer qu'à tout petit crank de 3 cm, coloris très très naturel, transparent, je sais pas si on arrive à voir. Voilà, coloris transparent avec des petites rayures et une petite teinte verte sur le dos, avec une petite plume derrière. Voilà, donc un super petit crank, franchement ça va vraiment être une tuerie. Voilà, super petit crank, franchement j'adore celui-là. Donc là c'était pour le troisième lot. Maintenant on va passer au quatrième lot. Le quatrième lot c'est plus un lot consacré aux brochets. Donc dans ce quatrième lot, je vais vous offrir, et Yusushi vous offre deux jerks. Voilà, donc deux super jerks. Franchement les coloris sont vraiment super. Ils doivent faire à peu près 12 cm il me semble. Voilà, avec des beaux hameçons bien piquants. Donc là il y a trois hameçons, donc il vous suffit d'enlever un hameçon pour pêcher en rivière. Et voilà. Franchement des super jerks, belle finition. Ensuite on va passer avec un popper. Donc voilà, dans chaque lot je vous ai mis un popper, donc pour pêcher en surface. Voilà, popper vert, voilà, un popper. Et pour terminer, un leurre articulé. Voilà, qui ressemble au River Toucy. Voilà, un joli petit leurre articulé. J'ai pu déjà tester ce leurre. Pas avec celui-là mais avec un autre pareil. Une nage vraiment très, très très ample à faible profondeur, je crois que c'est 50 cm en dessous de la surface. Donc très bien pour pêcher au-dessus des herbiers ou voilà les brochets, franchement super. Donc ça c'était le quatrième lot. Et maintenant on va passer au dernier lot. Là voilà, là je suis content de vous montrer ce lot là, donc c'est le lot plus important. Je vais réussir à vous faire gagner quand même une canne dans ce concours. Donc avant de vous présenter la canne, je vous présente donc un super petit leurre, voilà un petit crank. Avec plein de petits dessins, je sais pas si on arrive vraiment bien à l'avoir. Voilà un crank qui doit faire 6 cm. Il doit plonger je pense à 3 mètres. Ça doit être marqué derrière. Enfin bon, vous verrez. Voilà, donc un beau design avec dans le crank en fait c'est plein de petits albins de représentés. Vraiment spécial comme crank et franchement il est très 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 jolie gueule. Donc voilà, donc ça c'est pour le dernier lot. Et avec ce petit leurre du coup je vais vous faire gagner une canne. Donc d'une puissance de 7,27 grammes il me semble. Voilà, un grammage dans ce style, je crois c'est 7,27. Si j'arrive à vous trouver ça, il me semble que c'est 7,27 grammes. Voilà, donc une canne qui fait 1,80 m. Voilà, donc avec des petites poignées en liège, franchement super bien pour débuter. Voilà, donc franchement une belle canne avec un joli petit design. Donc pour tout ce qui est débutant ou même voilà, enfin ça peut être une canne vraiment super donc pour utiliser en mer ou quelque chose comme ça. Voilà. Une jolie petite canne. Voilà, donc avec un joli design, poignée en mousse, poignée en liège. Voilà, un joli petit blanc. Enfin bon voilà. Voilà. Puis après avec ça, vous pouvez adapter un moulinet, voilà, ce que vous voulez. La taille la plus adaptée, ce sera un 1500 voire un 2000. Voilà, après vous laisserez libre choix pour le moulinet. Voilà, puis vous avez une petite attache pour mettre votre leurre. Voilà. Et bien voilà, donc la présentation est terminée. Donc voilà, j'ai pu vous faire quand même, j'ai voulu faire gagner quand même un maximum du monde. Donc c'est pour ça que j'ai réparti 4 leurres par lot. Et je vous ai fait 5 lots du coup total. Donc le lot 1, le lot 2, le lot 3 jusqu'à au lot 5. Et le lot 5, bah, il comporte la canne et le crank. Voilà. Donc le tirage au sort se fera, enfin la fin du concours sera terminée le dimanche 24 décembre, donc à 22h. Voilà, donc à dimanche 24 décembre à 22h, je stoppe le concours et je placerai bah, au tirage au sort et sur Facebook, je vous mettrai les 4 gagnants sur Facebook, non les 5 gagnants sur Facebook et je vous ferai une vidéo bah, le vendredi qui suit et je vous dirai qui sont ces autres gagnants qui auront gagné donc, tout ça. Et une fois que vous aurez gagné, voilà, il vous suffira de me contacter via Facebook, YouTube ou voilà, je sais pas, mais contactez-moi et du coup voilà, on échangera puis bah, je vous enverrai le lot que vous aurez gagné. Et bien sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez été clair sur les lots, sur la participation. Toutes les règles sont dans la description, voilà, je vais toujours faire pour que vous compreniez bien, c'est très très simple. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.
Yes. Nickel. Attends que je me...